live. Tête de... J'ai 8 secondes. Dieu, les Français! J'aime bien de temps en temps venir voir un peu les pauvres. Santé! Aide Dieu, une bonne équipe. T'as Dieu, c'est speed! Je suis énervé! Comme une mouche sur une toile cirée! Au bord du lac Léman, un jour qu'il y a tellement de vent qu'elle n'ose même pas s'envoler de Dieu. Je suis au taquet. Où c'te speed? Oh, hey, je vais vous parler de la Suisse, du coup. Hein? La Suisse, yo. La Suisse, c'est un beau pays. Et puis, quand t'as dit ça, t'as tout dit. C'est vrai. Non, c'est un beau pays, mais quand t'habites dedans, tu sais, t'es dans la Suisse, t'es dedans, quoi. T'es comme ça, t'es. Des fois, tu te mets comme ça, tu sais. Ah, salut le Bernard, de Dieu, t'es venu celui-ci. Ben oui, je vois bien. Le Simon, de Dieu. T'es venu aussi, t'as accompagné ce Bernard, du coup, vous êtes deux, c'est ça, si le compte est bon. Ouais, ouais. Émile, de Dieu, vous êtes trois. Il y a une manif, ou bien? C'est la Suisse. On se fait chier. Et puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. Non, mais la Suisse, voyez-vous, c'est un très beau pays, mais le drapeau est quand même composé de deux sens interdits là sur l'eau, voyez. C'est Moldor, si je t'attrape, je suis la mort, ouais. Ah ben, il se passe jamais rien. On passe, voyez, on passe des longues journées... longues. On ressent de plein fouet la suissitude. Vous voyez? Comment vous expliquez la suissitude? Bon, la suissitude, vous voyez, c'est un mélange de sollicitude, de solitude, puis de suicide. Et puis quand t'as dit ça, t'as tout dit. Oh, de Dieu, ça va vite dans la tête des Français, hein? Faut au moins que je le fasse 20 fois au pays, hein? Moi, je vois, je suis aux alpages, hein? On est là, on est avec les bêtes, hein, bon. Mmh. Ah, ma femme, là, je l'entends. Là, je la reconnais, la Bernadette. Ah, dingue. Non, on est là, qu'est-ce que vous voulez? On regarde le chocolat pousser. De temps en temps, il y a une noisette qui pointe dedans, tu sais. Youpi, fais péter la fondue. On se fait chier. Là, on rigole de temps en temps, on rigole, c'est vrai. On rigole, c'est quand il y a un parigo qui monte aux alpages avec sa grande gueule. Et sa grosse bagnole, ça va avec. Hein? Les parigots. Vous connaissez seulement la différence qu'il y a entre le parigot puis le chamois? Le chamois, on le voit avant qu'on l'entend. Vous y êtes? Ben, je vais vous le faire. Je vous fais le parigot qui est à l'alpage, vous allez reconnaître le gazier. Vous allez le dire, mais de Dieu, cette grande gueule, vous allez voir. Oh, de Dieu, cette speed. Je suis parti comme un dingo, personne m'a arrêté, hein? Oh, de Dieu. Bon, le parigot. Oh là, paysan, ça va? Bonjour, monsieur. Dites, on se connaît les deux ou bien? Tes parents, ils ont des bêtes? T'es un fils bolomé? T'habites la vallée? Non, il me semble que j'ai jamais vu ta gueule paraisser. Eh ben, tu fous ton camp, puis tu seras gentil, puis c'est tout. Allez, non, mais je t'en foutrais. Bon, allez, hop, dégale, gadam, dégale, gadam. Oh, oui, oh, oui, dégale, gadam, dégale, gadam. Chacun appelle ses bêtes comme il veut.
Venez là, les gamines, venez là. Hein? Madame, elle regarde, elle dit, mais de Dieu, bien foutu le spectacle. Y a rien, madame, on fait croire, bien sûr. Hein? Ah, elle croit encore qu'il y a des bêtes. Hein? Ouvrez les portes, ça va y faire drôle. Non, venez là, les gamines, venez là. Regardez ça, C'est ma reine de troupeau, ça, c'est une bestia. C'est ma gamine, ça, regardez là, comme elle est belle. Hein? Hein, ça, 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 de la gueule et tout ça. Elle a chopé un peu la grosse corne depuis que le Chirac a tâté le cul. Mais sinon, hein, c'est de la belle bête, hein, regarde là. Regarde-moi ça, dit, voilà, ça, c'est mes bêtes, c'est bon. Et le parigole est toujours là, t'sais. Il est comme un fou, il vient de voir une vache, t'sais, comme ça, t'sais. Il la voit, il dit, oh, au fait, elles sont où, les vaches mauves? Mais quand t'as entendu ça, t'as tout dit. C'est vrai. Parce que vous voyez, non, parce que je les connais bien, les parigots. Parce qu'avant, j'étais à la douane. Vous savez, j'étais aux portes de Genève, là, j'étais à Bardonnay, ça s'appelle. Okay? Les parigots, ils disent Bardonnay, c'est avec leur grand gueule. Bardonnay, j'étais là, on les voyait arriver, les 75 et les 92, là, avec leur grosse bagnole. Halte! Douane, sol, dogana. On dit à 4, oui, c'est bien, qu'est-ce que je vois? Seulement, vous êtes 5 là-dedans. Oui, ben, il y en a un, il fout son camp, je veux pas le savoir. C'est la douane, c'est moi qui a la bande, c'est vous qui fout le camp. Quoi, le chef? Je suis pas plus bête que le chef, hein? Je suis sous-chef. Mais de toute façon, le chef, il peut pas venir, il est déjà occupé avec les deux passagers de la Fiat Uno. Hop, expédié. Non, parce qu'il faut les entendre, les réflexions, tout le temps, on les entend tout le temps. Du genre, ouais, mais vous autres, les Suisses, vous avez rien à dire parce que vous êtes riches. Vous avez du pognon, ça, alors vous ferez mieux de la fermer, tout ça. Eh oh, je t'ai rien demandé à toi, là-haut. C'est pas de notre faute si on est riche. Hein? Mais c'est vrai, c'est pas de notre faute à nous autres, les Suisses, si on est riche. V'là maintenant plus de 60 ans que les gens te confondent ce drapeau suisse avec la Croix-Rouge. Alors, attendez. Ils font des dons. Et puis nous, on les prend. Et puis quand t'as dit ça,